La réception. Il n'y a pas ce soir? Eh si, il y a une réception ici. Et c'est bien là, la villa humoresque, hein? Non. Eh, tenez bien, je vous l'offre. Allez, remontez dans la voiture. Signor! Oui? Où est la villa humoresque? La villa humoresque se trouve au bas de... Et ouvrez la grille! Ça va, merci. Eh bien, qu'est-ce que vous en dites? Un bel entraînement, je l'avoue, général. Mais il y a souvent loin de la théorie à la pratique. Caillesson, mon cher ami, je peux vous promettre que ça marchera. Et que nos problèmes prendront fin avec la mort del toro. Rien ne va plus. Le 16, rouge, perd et mange. Bravo, tu as une chance à ça. Ça devient lassant. Je commence à m'ennuyer à te voir tout le temps gagner. 1500 livres. Les champions. Craig Sterling, Sharon McCready et Richard Barrett. Ils possèdent des facultés physiques et mentales extraordinaires. Facultés dont ils ont été dotés à la suite de leur accident d'avion au Tibet par les représentants d'une civilisation mystérieuse. Ici Sterling. Je mets toute ma fortune. Et tu devrais peut-être laisser passer le prochain coup pour ne pas forcer la chance. Je gagne toujours. Si tu me l'assures. Leur pouvoir est un secret connu d'eux seuls. Et ils l'utilisent à bon escient en se faisant les champions de la loi, de l'ordre et de la justice. Deux noirs paient et manquent. Nous rentrons, monsieur. Les champions appartiennent à l'agence internationale Nemesis. Qu'est-ce qui lui est arrivé? La ruine. Je n'y comprends rien, Craig. Je devais gagner, j'ai tenu compte de tout, je t'assure. Et en plus, j'avais l'avantage de... Mais bien sûr, ils ont changé de croupier. Mais allons, réfléchis. À ce croupier correspond une vitesse de rotation et une certaine pression. Je vous parie que je regagnerai au bout de deux ou trois coups. Vous venez avec moi.
Ben voyons, regarde les choses en face. Il n'est pas question que tu vives du jeu en utilisant les facultés dont tu as été doté. Tu vas être obligé de gagner ta vie en travaillant comme les autres. Et plutôt que tu ne le crois. C'était bien Tremaine au téléphone. Il faut repartir pour Genève, sur l'heure. Il s'est fait appeler El Toro. D'après le rapport de ce cher Pedraza, il est certain que le régime actuel de la Rivada a l'intention de faire assassiner notre homme. Regardez sa photo. On l'appelle aussi l'homme de fer. Oui, c'est exact. Depuis son départ en exil pour la Costa Brava, il mène une vie excessivement douce pour un homme de fer. Notre travail consiste justement à veiller à ce qu'il continue ce genre de vie. Et est-ce qu'il envisage de reprendre un jour le pouvoir chez lui? Oui, et il ne peut être pire que le gouvernement actuel. Très juste. Je peux vous dire qu'il y a eu 11 000 prisonniers politiques et 185 exécutions à la Rivada depuis qu'El Toro a été déposé. Et je pense que la junte inquiète tous les pays aux alentours. Le plus grand nombre d'entre eux font les yeux doux à El Toro. Oui, tout le monde serait plus rassuré s'il reprenait le pouvoir. Il n'est pas belliqueux. Peut-être, mais ces considérations ne vous intéressent pas. Faites seulement votre travail. Pedraza semble croire qu'un attentat pourrait être perpétré avant la fin de ce mois. Il reste 6 jours. Oui, mon vieux. J'ai ici vos billets d'avion. Vous décollez à 1h15, c'est-à-dire dans 20 minutes. Oh, une seconde, ne partez pas si vite. Sharon, est-ce que vous connaissez la sténo? Non, pas tellement. Oui, je m'en doutais. Eh bien, vous feriez mieux d'emporter ça avec vous, parce que pour El Toro et son entourage, vous serez sa secrétaire particulière. Richard. Oui. Oh, non, vous êtes fou. Mais vous serez son chef. Et quant à moi? Simple garde du corps. Je goûterai sa cuisine. Entre autres. Bon, El Toro ne sait rien en ce qui vous concerne. Ne lui donnez aucun soupçon. Vous n'avez de compte à rendre qu'au colonel Pedraza, son majordome. C'est lui qui vous apprendra ce que vous voulez savoir, mais lui seul est au courant. Et, eh bien, c'est tout. Bonne chance. Ah, eh bien, je n'ai encore jamais tué un de mes invités. Mais le moyen de s'en assurer sera trouvé. Faites-moi confiance. Les derniers rapports indiquent que le dispositif de sécurité de la villa a été renforcé. Gracias. Le plus parfait dispositif de sécurité peut toujours être déjoué. Mais si vraiment El Toro a été mis au courant d'une façon ou d'une autre de nos intentions, nos difficultés pourraient devenir insurmontables. Or, je vous rappelle que cette opération doit être exécutée dans un délai maximum de 5 jours. Êtes-vous fou? Les cigares favoris d'El Toro, mon cher. Plusieurs boîtes lui ont déjà été livrées de la part d'un admirateur. Mais vos hommes... Ils ne sont au courant de rien. J'aime avoir plusieurs cordes à mon arc, c'est très utile. Cette aiguille lui injectera un poison auquel on ne connaît pas encore d'antidote satisfaisante. Environ 20 secondes après avoir allumé un de ses cigares, le mécanisme se déclenchera. Et El Toro aura été empoisonné. Alors, où en es-tu? Je vais chercher un moyen de convaincre El Toro de se mettre à la diète. Il y a des milliers de signes. Oui, heureusement que je vais pouvoir me reposer sur ma mémoire. Qu'est-ce que c'est? Un coup de feu. On dirait un fusil de chasse. Oui! Entrez, messieurs, madame. Et nous y sommes. Seigneur Pedraza? Si. Enchanté. Je me présente Craig Sterling. Très heureux. Voici Sharon McCready. Enchanté, seigneur. Allons droit au fait, oui, excusez-moi. Et Richard Barrett, mon colonel. Oui, le cuisinier. Ah, très heureux. Oui!
excellent tireur. El Toro fait toujours tout très bien. Le tir au pichon d'argile, pour lui, est une façon de se détendre, de se calmer les nerfs. Quand il est contrarié... Il se calme sur les pigeons d'argile? Eh bien, c'est un traitement comme un autre. Entrant, voyez-vous. Je suis bien certain que vous remplirez votre mission au mieux de vos possibilités. Naturellement, je vous apporterai toute l'assistance que vous désirerez. Ah, un dernier détail. C'est dans cette partie de la maison que le taureau se tient la plupart du temps. Vous ne devez jamais y entrer, sauf cas de force majeure, ou si on vous en donne la permission. Seigneur Pedraza. Oui? Pourquoi n'avez-vous pas dit à El Toro que le nouveau régime projetait de le tuer? El Toro était très déçu par ce coup des militaires qui l'entouraient. Il sait très bien qu'il court ce risque. Pourquoi l'inquiéter encore plus en le lui confirmant, voyant? Votre agent à l'arrivada. Oui? Il n'a pas une idée quelconque sur la façon dont on veut tuer El Toro? Non. Non, ça, il n'en sait rien. Il a seulement appris que c'était pour bientôt. Oui! Ça fait 23, ça s'en manquait, hein? Oui, 34e. Il y a toujours deux gardes à la grille d'entrée. Un seul se trouve à l'extérieur. S'il se passe quelque chose, l'autre déclenche le signal d'alarme. Avez-vous un moyen de défense pour empêcher les infiltrations de ce côté? Il y a un certain nombre de cellules photoélectriques qui déclencheraient un signal d'alarme ici dans la villa. C'est astucieux. Et puis très original. Mais en parlant de... El Toro est de retour. Vous allez lui être présenté. Et rappelez-vous qu'il déteste être vaincu. Il a toujours eu horreur de passer pour un idiot. Ou que quelqu'un semble en savoir encore plus que lui, vous avez compris. N'ayez crainte. Mais je vois des collines qui surplombent la villa. Il n'y a aucun danger, elles sont hors de portée des fusils normaux. Nous avons pris toutes les précautions. El Toro est en sécurité. Voilà, il est fini. Merci. Je vais le rapporter. Les nous domestiques. Oui. Ils se sont installés. Oui. Est-ce qu'ils feront l'affaire? Je le crois, oui. Il serait peut-être plus correct que vous me les présentiez. Je vais les avertir de ce pas, El Toro. Merci. Je vous remercie, ce sera tout. Je vous ai dit que ce serait tout, monsieur Pedraza. Tu es certain de pouvoir t'en tirer? Oui, bien sûr, voyons. Buenos dias. Oh, mais c'est un palace. Je te parie que je vais y prendre goût. Sais-tu où est Craig? Il est allé faire un tour dans le jardin. Et tu devrais me laisser seul pendant que je romps la glace. Mm-hmm. Ah, eh bien, que préparons-nous pour El Toro aujourd'hui? Ah! Paella? Oh! Calamares el sutinta? Peut-être ce qui pourrait devenir ma spécialité. Tortilla con un poco de chorizo. Je lui préparerai deux œufs sur le plat à ta place, mon vieux. Ah oui, c'est une idée. Je vous prie d'excuser, ma jeune amie, elle n'entend rien à l'art culinaire. Ah. Qui est là? C'est Sterling, votre nouveau garde du corps personnel, monsieur. Une seconde. Entrez. Pedraza m'a dit que je devais venir vous voir. J'ai pensé que le plus tôt serait le mieux. On m'appelle El Toro. Tous ceux qui me servent doivent s'en souvenir. Bien. El Toro. Couchez-vous. Allez! Quelle oreille! Sterling, félicitations, c'était ton examen.
Va-t'en. Vous savez, d'excellents réflexes. Mais nous allons voir jusqu'à quel point ils le sont, Sterling. Merci. Je pense qu'il vous doit la vérité. Je passe pour une très fine lame. En garde! Vous y êtes? Il déteste être le vaincu. Brillante exhibition, El Toro. Bravo. J'ai vraiment de la chance que ce soit seulement un jeu, sinon vous m'auriez tué. Oui. Vous avez besoin de vous entraîner, mais vous avez la vista. Il faudra apprendre à contrôler votre impétuosité, c'est tout. Merci. Vous pouvez aller. Vite, dépêche-toi, bon sang! Va chercher des fusils. Toro a l'air de s'offrir du bon temps, hein? Tant mieux. Un mort en sursis devrait toujours pouvoir s'amuser. Quelle est ton opinion, Craig? Je dois dire que je n'ai pas encore repéré d'éventuel assassin. Non, tout a l'air normal. Pourtant, si ce travail était aussi simple qu'il le paraît, on ne nous aurait pas envoyé. J'ignorais que la vue fût aussi intéressante. Elle ne l'est pas. C'est étrange, mais j'ai l'impression d'être observé. Tu penses que c'est dans la chambre? Non, il n'y a aucune raison. Vérifions toujours. Peut-être bien que c'est le portrait lui-même qui cache quelque chose. Comment t'y prendrais-tu pour approcher et tuer El Toro, Craig? Je ne sais pas. Je suppose que je viendrai jusqu'à la grille d'entrée en voiture. En jouant les touristes égarés, je m'efforcerai d'en persuader les gardes. El Toro décide de vous rencontrer. Tout de suite. Bon, attendu, je descends immédiatement. Le cerveau et la main ne vont pas de pair, on court à l'échec. Je m'appelle El Toro, pour tous ici, c'est bien entendu? Oui.
Asseyez-vous, je vous en prie. Approchez cette chaise. Excusez-moi. Celui-ci m'a été offert par un roi. Merci. Vous voulez me dicter quelque chose? Dicter? Moi? Vous êtes amusant. Actuellement, j'écris mes mémoires. J'ose espérer, señorita, que vous resterez assez longtemps pour les terminer. Et moi, j'espère que mon travail donnera toute satisfaction à monsieur. Ah, el toro, señorita. Vous avez dit 100? Oh, 100, puisqu'il a dit. Vous voyez, j'essaie de me maintenir en forme. Votre porteur, seigneur? Posez ça sur le bureau et ensuite disparaissez. Je vous en prie, señorita. Luego, luego, chiquita. Merci. Maintenant, avant de continuer, un peu d'air. Je dois dire qu'à cette époque, il n'y avait encore aucun signe de danger. Aucun indice prouvant que Pedrono avait commencé cette insurrection. Il était allé faire le tour de l'Europe, pas en tant que chef de la nation, mais incognito. Il avait décidé de combler certaines lacunes, si je puis dire, de mon éducation. Des lacunes culturelles, hein, bien sûr, vous comprenez. Vos yeux sont d'un bleu merveilleux. Le dernier cri de la sténographie. Madrid. Le Prado fut mon premier objectif. Je voulais rendre hommage à l'œuvre du grand Greco. Vous aimez l'œuvre du grand Greco, señorita Sharon? Oh, bien sûr, j'apprécie tout ce qu'il a fait, voyons. Et en particulier ce qu'il a peint au cours de sa troisième phase après 1590. C'est vrai? Oui. Et c'est au cours de cette période qu'il a atteint la perfection de son art. Son portrait du cardinal Don Fernando Niño de Guevara est exceptionnellement réussi. Vous ne trouvez pas? Oh, si. Vous avez raison. J'ai perdu le fil de mes idées, señorita Sharon. Je dois dire qu'à cette époque, il n'y avait encore aucun signe de danger. Aucun indice prouvant que Pedrono avait commencé cette insurrection. J'étais allée faire le tour de l'Europe. J'avais décidé de combler certaines lacunes de mon éducation. Lacunes culturelles, bien sûr, vous comprenez. Vos yeux sont d'un bleu merveilleux. Veuillez m'excuser. Mais de quoi? Vos yeux sont vraiment magnifiques, señorita. Non. Oui! Thank you.
Vous avez trouvé un endroit convenable? Je pense que oui. Et moi, j'ai le fusil. Il m'apporte. Le vendeur, il a juré qu'on voyait un moustique à 100 pas. On y va tout de suite? Non, on doit faire notre rapport. Et puis, il faut que je m'entraîne. Je ne pourrais tirer qu'un seul coup. Bien. Non. Et enfin... Bonjour. Je ne vous connais pas. Je suis votre nouveau chef, si je puis dire, bien sûr. Et je suis le taureau, le maître de ces lieux, jeune homme. Il faudra veiller à vous en souvenir, vous entendez? Oui, bien sûr, El Toro. Il m'a malheureusement fallu un certain temps, mais je vous ai préparé. Que voulez-vous dire, jeune homme? Cette cuisine ne vous plairait-elle pas? Oh, si, je la trouve très bien. Je tiens à vous dire qu'elle passe pour être une des mieux équipées de toute cette région. Oui, ce couteau, Seigneur Barrett. Durant 12 longs mois, j'ai combattu avec les guerrieros dans les forêts des Andes. Un couteau de ces gens était mon seul instrument de cuisine, vous m'entendez? Et voilà que vous avez l'audace de vous prendre au sujet de votre équipement. Avec un couteau de ces gens, j'arrivais toujours à découper un mouton, peler un lapin, écailler un poisson ou tuer un ennemi. Quelle est la recette de votre langouste de pêcheur? Ma langouste du pêcheur. Oui. Est-ce que vous utilisez des têtes de morue? Oui. Oui, bien sûr. Placez les têtes dans une marmite dans laquelle vous verserez 3 grands verres de vin blanc sec et une quantité égale d'eau. Ajoutez ensuite un bouquet garni, salé, poivré, ajoutez de l'ail, recouvrez la marmite. Puis laissez bouillir pendant 20 minutes. Ajoutez vos langoustes. Il est recommandé de mettre... Non, ça, un... vous connaissez votre travail, jeune homme. Vous savez que 5 jours par semaine, je désire manger des plats très simples. Les 2 autres jours, j'aime bien manger. Demain soir, vous me ferez goûter votre langouste du pêcheur. Très joli. Je vous remercie. Oui, je suis un homme du peuple. Et vous l'ai dit, mais très simplement. Aujourd'hui, je me contenterai de fromage et d'un peu de vin. Celui-ci vous met en liaison avec les gardes placés à l'extérieur. Et celui-là avec ceux placés près de la grille. Vous avez oublié celui-ci? Il vous permet de m'appeler dans ma chambre. Je vais vous montrer ce que j'ai installé dans le couloir. Pourquoi croyez-vous qu'ils vont attaquer avant la fin du mois? Parce que le premier du mois prochain est l'anniversaire de leur révolution. Ah, et ils désirent fêter dignement ça en éliminant El Toro. Mais oui, bien sûr. Voici sa chambre. Ainsi, vous ne perdrez pas de temps à la rechercher. Venez voir. C'est l'interrupteur qui commande les cellules photoélectriques. En même temps, tout le système d'alarme. On ne les coupe jamais. Là. Mes hommes savent ce qu'ils ont à faire. Ce sont les meilleurs. Plus on retarde l'attaque et plus le projet... Caillez ça! Voyons, je vous demande d'être patient. Patient! Tout notre avenir est en train de Avant se jouer. Avant que vous en disiez plus. Veuillez lire ce dernier rapport. Il semble que mes hommes aient bien travaillé. Ils ont mis au point une nouvelle méthode pour éliminer définitivement El Toro. Richard, réveille-toi. Désolé, mon vieux Craig, tu es trop loin, je ne te comprends pas. Ça ne fait rien, lève-toi et arrive. On vient de passer sous ma fenêtre. Bon, ça va, j'ai compris. Je m'habille et je te rejoins.
J'ai regardé partout en venant et je n'ai rien vu ni rien entendu. Mais peut-être que la maison est hantée. Si elle l'est, c'est un des fantômes qui a coupé le signal d'alarme et drogué le garde del Toro. Alors, on crie ou on fouille la maison? Et je parie qu'il se trouve drôle. Est-ce que tu oublierais que c'est à lui qu'ils en veulent? Vous savez, Louis Finsterling, faut-il que je vous félicite? Ça fait la deuxième fois. De côté, espèce de sombre idiot. Voilà ça. Oui. Misérable crétin qui devient fou. El Toro ne semble pas en forme ce matin. Quelque chose a l'air de le préoccuper. Avez-vous bien dormi la nuit dernière? Oh, je n'ai pas fait de cauchemar. Ah, il semble qu'il s'entête. Seigneur Sterling, je pense que j'aurais dû vous avouer que j'étais au courant des aventures nocturnes del Toro. Et ce, depuis le début. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Je pensais que ce serait un excellent moyen de prouver votre efficacité. Et vous êtes satisfait? Entièrement, Seigneur Sterling. Pourquoi ne pas y avoir mis fin, Petrazza? Oh, elle ne présentait aucun danger. Ils étaient d'excellents intermèdes pour garder el Toro heureux. C'est vous qui commandez ici, en fait. Mais je vous remercie d'avoir mis fin à ces aventures. Tout peut être dangereux aujourd'hui, même ces espèces de pecadillos. Toi, bon sang. Oui, oui, une seconde. Tiens. Passate. Oui. Mets-toi à l'aise. Là. Et tout ça, rien, je vais voir. Parfait. Patientons maintenant. Le prince Albrecht m'invita à participer à une chasse au bison en Prusse. Là, il me demanda si oui ou non il avait autrefois été un simple laboureur. Voulez-vous toucher cette main, señorita? Elle est caleuse. Je ne suis pas encore atteint par l'âge, croyez-moi. Mais touchez-la, voyons. Le travail manuel me passionne aujourd'hui encore. Ma forme physique est étonnante. Oui, vous avez des mains très masculines. Mais d'ailleurs, les gens vous appellent l'homme de fer, n'est-ce pas, El Toro? Ah, vous l'avez entendu, vous aussi. Je suis l'homme de fer.
Mais il me flatte d'avoir du cœur. Il fait beaucoup de choses pour améliorer le niveau de vie de mon peuple. Pourquoi m'a-t-il laissé attaquer traîtreusement par ces chacals? Mais ne parlons plus de ça. Oui, il fait trop beau aujourd'hui pour évoquer le passé. Mon royaume est maintenant ici. Et rien ne troublera sa tranquillité. Pour Napoléon, ce fut Sainte-Hélène. Et pour moi, ceci. Oh, pourtant, il y aurait tort de me plaindre. Vous avez des cheveux très doux, señorita. Si soyeux. J'habitais Madrid quand le prince Albrecht m'invita à venir chasser le bison en Prusse. Là, il me demanda si oui ou non j'avais autrefois été un simple laboureur. Assez travaillé pour aujourd'hui. Je suis bien trop heureux. C'est vous qui m'avez rendu heureux, ma chère señorita. Vous me flattez, mais je ne vois pas du tout ce que j'ai pu faire pour ça. Vous êtes si jolie, vous êtes si ravissante. Vous me rendez fou. Une minute. Je vous invite à prendre un verre à ma compagnie. Je n'aime pas attendre. Mais je suis certaine que je n'ai pas le droit de refuser. Vous pouvez refuser. Vous avez tous les droits ici. Tous les droits, señorita. Ils vont m'assassiner. Oui, couchez-vous, couchez-vous. Alors, tout va bien, El Toro, vous ne risquez plus rien, ils sont partis. Dehors, ils sont tout prêts, ils vont me tuer, vous comprenez? Non, non, n'ayez crainte, El Toro. Ces sachants sont ici à vos côtés pour veiller à ce que ça ne se produise pas. Des sachants? D'un Némésis. D'un Némésis? Oui, ils ont été envoyés tous les trois pour vous protéger. Et bien qu'étant un agent, je passe aussi pour être un excellent cuisinier. Vous n'avez donc rien à craindre. Mais sans cette fille, je serai mort maintenant. Il faut me sauver. Ils vont me tuer. Vous entendez? J'en suis sûr. Ils veulent ma mort. Ils essaieront encore de vous tuer, c'est certain. Mais cette fois-ci, nous les recevrons. Ils essaieront encore. Le fusil a dû être fabriqué spécialement pour cette distance. Tu les as vus? Non, j'ai seulement aperçu un reflet dans les collines. Encore un coup de chance que j'ai regardé par la fenêtre. Ils veulent m'éliminer définitivement. Ils ne me lâcheront pas tant qu'ils n'auront pas réussi. Il n'y a qu'une solution, El Toro. Il faut retourner à l'arrivada. Il y a de nombreux éléments de l'armée qui vous feraient un accueil triomphal. Non, non, non. Mais il faut qu'ils partent d'ici. C'est peut-être exactement ce qu'ils veulent. Oui, cela leur faciliterait sûrement la tâche. Je ne vais tout de même pas attendre patiemment le retour comme un animal pris au piège. Ils reviendront peut-être, mais nous les attraperons. Vous verrez. Laissez-les revenir, ils ne vous ennuieront plus. Non, 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 ils préfèrent partir. Alors, retournez donc en triomphateur à l'arrivada. Attention. Laissez-moi faire. Pas le droit de penser que... Ces cigares ont été envoyés à El Toro, il la reçoit souvent, vous savez. Je n'en avais aucune idée. Vous me croyez, n'est-ce pas? Manqué. Manqué. Apparemment, cette jeune fille a eu un réflexe remarquable. Remarquable. Ils n'ont aucune excuse. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec vous, Général. J'ai suffisamment entendu, Cayesson. Je vous ai écouté, puis suivi vos ordres. Maintenant, je sais attendez, qu'il faut que attendez. Je... Attendez, je dois reconnaître que votre plan était meilleur. Bien. Mettez-le à exécution. Oui. Mais avec des modifications. Donc, il est inutile de vous répéter qu'il est terriblement important que vous gardiez l'œil ouvert et sans relâche, d'accord? Mais vous dormez?
Alors, si vous apercevez quoi que ce soit de pas ordinaire, vous donnez l'alarme, c'est compris? Oh, quelle équipe. Bon, vous pouvez retourner à vos postes. Alors, vous êtes sourds ou quoi? Éloignez-vous de cette fenêtre, El Toro. Qu'est-ce que vous faites là? Mais lâchez-moi, colonel. Pedraza. Avez-vous cru qu'il était effrayé? Tout ça, c'est très bien, mais je ne vois toujours pas comment ils vont entrer. Par les airs. Et il faut s'attendre à tout. Je croyais que nous étions d'accord pour nous opposer à une attaque par la porte d'entrée. Non, depuis, j'ai pensé que c'était idiot. Tu as trouvé autre chose? Malheureusement, non. Et je n'ai vraiment aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que les gardes ne me semblent pas très valables. Ah, sur ce point, je suis d'accord. Ils ont l'air de sortir d'un opéra comique. Si je comprends bien, on ne doit compter que sur nous. Eh oui, comme toujours. Oui. El Toro étant leur objectif. Il faut donc que l'un de nous reste en permanence à ses côtés. Est-ce que tu es volontaire pour ce travail, Sharon? La journée seulement, si je peux choisir. Entendu. Bon, dans ce cas, je vais mettre El Toro au courant de nos intentions. Et dis-lui bien que nous ne lui laissons pas le choix. El Toro. Oui? Je voudrais vous exposer notre plan de défense. Je suppose que vous en avez déjà longuement discuté avec le colonel Pedraza. Mais ce n'est pas sa vie qui est en jeu, c'est la vôtre. Permettez-moi de vous dire que dorénavant, ma vie m'importe peu. Et je dois vous prier de m'excuser pour cette lamentable exhibition de tout à l'heure. Mais ça n'est pas nécessaire. Non, 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 il n'y a droit à aucune excuse pour cette démonstration. C'est le pouvoir, la vie facile et l'oisiveté qui finissent par amollir les qualités morales et par affaiblir un homme fort, même si apparemment il semble toujours aussi jeune. Oui, je vous prie de m'excuser. Oui, nous avons préparé un plan de campagne. Je vous écoute. Il est vraiment très simple. Allez. Mais si vous ne le suivez pas exactement à la lettre, ils vous tueront. Allons, ça ne fait rien, on n'a pas loué la villa. Thank you.
Richard, voilà nos amis. Oui, je sais, je viens de recevoir le message. Que se passe-t-il? Ça va, colonel, tout est terminé. Deux apprentis tueurs sont dehors, ils ne vous ennuieront plus. Colonel, colonel Petrazza, que se passe-t-il? L'ennemi est dans la villa, mais qu'attendez-vous pour répondre? El Toro, soyez rassuré, vous n'avez plus rien à craindre. Colonel, de mon retour au pouvoir, ma première tâche sera de récompenser nos amis et de décorer tous ensemble du grand ordre de la Rivada. Avec un sabre. Le grand ordre de la Rivada, avec un sabre? Vous imaginez la tête de Tremaine quand il saura ça?